Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un thème brièvement qu'on appelle l'effet papillon. Alors qu'est-ce que l'effet papillon? En fait, c'est le fait, si vous voulez, de par les perceptions qu'on a de vous, de les assimiler et de créer des complexes. Hein. En sachant que nous vivons quand même dans un monde où des personnes elles-mêmes souffrent, c'est peut-être un lapsus, vous allez me dire révélateur, hein, parce que pour moi ces personnes sont prisonnières d'elles-mêmes, la personne qui vous rabaisse, hein, petite précision. Alors on vit dans un monde où il y a des personnes qui elles-mêmes souffrent d'un complexe d'infériorité et qui peuvent vous charger. Tu es bonne à rien, tu sers à rien, tu es nulle, c'est pas comme ça, tu es à côté de la plaque. Alors, si tout conseil peut nous aider à grandir, et même les mauvais, hein, ben ça nous permet de nous connaître et de développer ce que je dirais notre amour-propre, il faut bien apprendre ce discernement et vous faire confiance. Il faut savoir que parfois votre force, votre intuition et votre bravoure, surtout quand vous êtes thérapeute, médium ou dans les énergies, ben vous faites peur à l'autre et pour vous décontenancer, il suffit qu'il y ait un faible pour la personne, hein, qui est en face de vous, ou une certaine sensibilité, eh ben, il peut vous désarmer en disant « Tu es à côté de la plaque, ce n'est pas ça, tu dégages quelque chose de bas, énergétiquement parlant. » N'écoutez pas. Vous êtes votre propre vérité, vous êtes votre vibration. L'autre vous aide à grandir, mais il n'en est en aucun cas parole d'évangile. Écoutez-vous, soupesez, n'hésitez pas à le maïotiquer en disant « Mais pourquoi tu penses ça de moi ?» Parce que souvent, ce qu'il voit sur vous, c'est quelque chose qui a d'obscur sur lui-même. Donc prenez bien garde à ça. Un conseil bienveillant n'est pas un jugement, d'accord, mais une observation où on amène l'autre par maïeutique à se révéler à lui-même. Quelqu'un qui vous juge, tu es dans la basse vibration, tu as ceci, tu as cela, demandez toujours pourquoi et évaluez. C'est souvent parfois ce qu'on appelle un effet papillon, d'accord? Vous êtes votre propre chrysalide, alors métamorphosez-vous, métamorphosez-vous. Excusez-moi, mais à force de parler l'espagnol toute la journée, j'en perds mon latin. À partir de là, el corazón, le cœur, d'accord? Vous vous métamorphoserez à partir de là. La perception de l'autre vous sert à des appréciations qui vous sont propres à votre auto-évaluation. Ce n'est pas pour l'autre que vous allez changer, c'est pour vous. Et je vous le répéterai jamais assez. Voilà mes angels, soyez vous, aimez-vous, vibrez et n'oubliez pas, votre cœur a son mot à dire. Namasté!